La cabosse du cacaoyer, un fruit mystérieux. Comment sa fève termine-t-elle au rayon friandise des commerces du monde entier? Partie des Caraïbes, la fève de cacao est arrivée en Afrique à la fin du 19e siècle. Des esclaves d'Angola ont travaillé dans de grandes plantations de Sao Tomé et Principe. Ensuite, de nombreuses cacaoyères ont été fondées en Afrique de l'Ouest, surtout ici en Côte d'Ivoire. Ce pays cultive maintenant plus d'un tiers du cacao brut du monde. Sa production de plus de 1700 tonnes par an en moyenne en fait le leader mondial sur le marché. Au Ghana, la fève de cacao a favorisé une certaine prospérité économique chez les petits agriculteurs. Le reste de l'Afrique de l'Ouest a suivi le mouvement, si bien que ses agriculteurs dominent dans le secteur, comme ils le font ici dans les régions rurales de Côte d'Ivoire. Thomas Aké travaille dans sa propre exploitation depuis plus d'une décennie. Oui, c'est quelque chose qui est rentable parce qu'avec le cacao, mon papa a pu construire une maison qu'il a pu nous mettre à l'école. Nous sommes 8. Tous les 8, au moins le minimum, 3e, il y a des 4. Il y a des 4 supérieurs. C'est avec l'argent de cacao que mon papa a pu scolariser tout cela. Le cacao, c'est vraiment, on a hérité de la culture de nos parents. Déjà, c'est dans nos mœurs. C'est dans nos mœurs. C'est vrai que vraiment, un fils de planteur qui n'a pas un champ de cacao, c'est comme tu n'as rien. Bien que plusieurs générations récoltent les fèves, beaucoup ne savent pas leur utilisation principale. Comme j'ai eu la chance. En tout cas, j'ai eu la chance de connaître le premier président de la Côte d'Ivoire dès mon enfance. Comme je vous ai dit que j'aime vraiment suivre certaines choses, et il a fait, je crois, une interview. Il a dit, dans le monde, le cacao sert à faire beaucoup de choses. Ça rentre dans la médecine, on mange, on fait l'autre là des produits pharmaceutiques, des produits de beauté. Donc, je sais que le coco sert à vraiment, et le cacao sert à faire beaucoup de choses. Mais il a eu à dire que on peut faire le cacao sert à faire du jambon. Je ne sais pas si c'est. Il existe de nombreuses autres spéculations parmi les producteurs. Je n'ai jamais mangé de chocolat parce que je suis un menteur. Moi, tout ce que je sais que je produis mon cacao, donc c'est l'argent qui m'intéresse. Les enfants des zones rurales ne connaissent généralement pas le chocolat. Mais ils connaissent bien les fèves de cacao, car ils aident souvent leurs parents à les récolter. Souvent, je m'en vais travailler avec lui dans son champ de cacao et puis café. Ils ne sont pas aussi curieux au sujet des fèves qu'on pourrait le penser. Beaucoup de fermiers et leurs familles ignorent le processus magique qui transforme les graines de ces cabosses en quelque chose de délicieux et demandé dans le monde entier. Les boutiques rurales vendent rarement du chocolat, car il est cher et superflu dans la vie simple qu'on mène ici. Dans le passé, il y a eu des abus avec le recours aux esclaves, en particulier des Maliens amenés ici pour récolter les fèves de cacao. Mais au cours des 4 dernières décennies, le secteur de la culture du cacao est passé des grandes plantations d'entreprises aux petites exploitations permettant aux agriculteurs de gagner leur vie.
Mais celles-ci sont encore appelées plantations, même si généralement, seules des familles élargies comme celle de Thomas y travaillent. La Côte d'Ivoire est un grand producteur de cacao. D'abord, ça, il faut le rendre au travail acharné de sa population, des paysans, de ses producteurs, et également à la faveur de Dame Nature, parce que les conditions climatiques et la végétation ivoirienne, notamment toute la partie verte, ce qu'on appelle le sud-ouest, s'y prête. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un grand producteur de cacao par le travail acharné de sa population. Des responsables politiques comme Innocent Youté, qui est lui aussi issu d'une famille de cacaoculteurs, voient à la fois les opportunités de richesse et la volatilité des prix sur le marché. Ils veulent que les entreprises étrangères agissent de manière responsable envers les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de compagnies étrangères sont installées. Mais le mal du cacao aujourd'hui, c'est la spéculation. C'est la spéculation. Mais cette spéculation est le fait de quoi? De tous ces traders et d'une bonne partie aussi de ces entreprises étrangères. Donc pour nous, encourager des entreprises étrangères qui viennent pour augmenter le nombre de spéculateurs, ça n'avance en rien la Côte d'Ivoire. Ça n'avance en rien le producteur ivoirien. Il faut plutôt créer les conditions qui font que des investissements directs étrangers arrivent, mais arrivent pour encourager l'industrialisation. Thomas a 3,5 hectares couverts de 1700 arbres. Il dit qu'il récolte 1 million de fèves de cacao par an. Il connaît le cacao, mais c'est peu de choses sur le vaste monde. Il a été à 2 reprises dans la banlieue d'Abidjan, une fois pour un mariage et une autre pour se rendre au chevet de la mère mourante d'un vieil ami. Il n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Thomas est conscient de certains changements dans son pays. Des changements qui enthousiasment les producteurs de cacao comme lui. Il va voyager pour voir lui-même certaines de ces évolutions. Georges Nguessen vit dans la commune de Yupougon à Abidjan. Cet endroit a connu des moments difficiles il y a quelques années. Après les élections de 2010, des affrontements ont opposé les partisans du gouvernement sortant avec ceux du gouvernement nouvellement élu. Des mois de violence s'ensuivirent, causant la destruction de nombreux logements et commerces. Parce que pendant la crise, il y a eu pas mal de choses. Mais Dieu merci, après la crise, il y a eu un boulot dans une boîte de la place, une société de cacao, où on paie les fèves et puis on les transforme jusqu'à produit fini. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui ça va un peu. On rend gloire à Dieu. Georges lui-même s'est retrouvé au centre de la tempête. C'est la parole de Dieu. Le conflit post-électoral lui a fait perdre son emploi. Et le restaurant de sa femme a été fermé. C'est la vie de Jésus, il continue de vivre. Heureusement, ils sont sortis indemnes du tourbillon de violence qui a balayé son quartier. Alors tu ne vis plus. Donc si toi tu ne vis plus et que c'est lui qui vit, et il dit de quoi est ton temps. Je pensais apprécier un peu sur la persévérance. Sur la persévérance, c'est-à-dire, bon, quand c'est dur, c'est que la récompense est au bout, c'est pas loin. Il faut persévérer dans ce que tu fais.
Ils ont trouvé du réconfort dans leur foi et prié pour que leur famille connaisse des jours meilleurs. Ils avaient déjà deux filles, Esther et Marie. Depuis, Georges et Jocelyne ont eu deux autres enfants, à savoir Alexandre et le tout jeune Touré. Bon, mon mari, vraiment, c'est un homme qui est beaucoup attentionné. C'est un homme vraiment qui aime sa famille, qui aime sa femme. C'est pas un homme violent, vraiment, c'est un homme qui comprend sa femme. Bon, cet amour aussi manifeste ça dans ma famille. Il aime ma famille, moi aussi. J'aime aussi sa famille. Georges se prépare pour une nouvelle journée de travail. Il a un emploi dans la première chocolaterie de Côte d'Ivoire, soit à l'autre bout de la filière du cacao. Bien qu'il vienne d'un petit village, Georges a un bon niveau de formation. Quand il a appris que des fonds étrangers avaient été investis pour établir une usine de cacao à Abidjan, il a immédiatement postulé. Il occupe un poste dans une zone de l'usine où les journalistes ne sont pas autorisés à filmer. Bon, dans l'usine, moi, je suis un mécanicien, électromécanicien. Je suis directement rattaché à l'utilité, service de maintenance. Chez nous, bon, notre domaine, c'est... On suit un peu la chaudière. Nous, on produit de la vapeur qu'on envoie à l'usine et ça veut dire que les gars travaillent. La vapeur, l'air, l'eau, on fait les traitements d'eau, bon, c'est dans ce domaine que je suis. Une société française a ouvert cette usine en mai 2015. Bien qu'audacieuse, cette décision d'établir une chocolaterie près de la source des fèves de cacao est logique. L'entreprise dit faire vivre 1 million d'Ivoiriens, dont les producteurs de fèves de cacao dont elle achète la matière première. À l'usine sont exposées fièrement les différentes friandises produites par la société, principalement en France. Ici, à Abidjan, on produit une barre de chocolat noir et une pâte à tartiner au chocolat qui est extrêmement populaire. Il me demande où c'est le chocolat. Il dit non, c'est un petit secret. Mais après, il a dit non, c'est ce que nous produisons à l'usine. Que, en tout cas, franchement, même quand il demande à des gens, il te demande où tu es ton chocolat. Quand il regarde le nom, il dit mais ça, c'est ici qu'on fait. Il dit on c'est ici qu'on fait. On fabrique ça ici. Donc, le chocolat de ma boîte, c'est la meilleure. La meilleure en Côte d'Ivoire. Ça, il peut le confirmer. Thank you.
Bon, comme il a dit, j'aime beaucoup mon travail. Ouais, il y a toujours bon. Depuis le comme j'ai voulu être franchement un professeur de mathématiques ou physique. Parce que je voulais voir un peu comment l'électricité, comment de l'eau, on arrive au courant. Et même pour la question entre réalité professionnelle pour faire l'électricité. Tout mon domaine, probablement, c'est l'électricité. Voilà. Comme à la fois des choses, j'ai été transformé en mécanicien. D'où aujourd'hui, c'est électromécanicien. Je suis vraiment fier du travail que j'ai fait. Je suis vraiment fier. Les fèves de cacao sont l'ingrédient magique que tout le monde doit respecter. Ici, à l'usine, elles ont droit aux mêmes égards que dans la forêt de Thomas. Les camions chargés de fèves arrivent à l'usine et on compte celles-ci jusqu'à la dernière. Elles sont méticuleusement triées avant d'être broyées dans un processus secret étroitement surveillé. Aujourd'hui, Thomas va voir ce que devient le fruit de son travail. Il a été invité par Georges à visiter l'usine. En plus de cela, il va visiter un peu Abidjan. Il est enthousiaste à propos de la chocolaterie. Georges vient l'accueillir et il sympathise vite. Thomas doit porter des vêtements de protection qui sont méticuleusement utilisés pour éviter toute contamination. Il observe une grande partie du processus, la magie qui transforme le cacao en chocolat. Bien sûr, comme tout le monde, il apprécie le produit final plus que la chaîne de production. Après la visite, j'ai vu que vraiment du champ, comment le cacao est transformé, et je pense que c'est bon pour l'avenir de nous, des planteurs, parce que sur place, notre cacao est déjà transformé, donc je pense que c'est du bien. Et j'ai vu vraiment, et j'en ai dégusté, je pense que c'est du bon. Ce chocolat est destiné à la consommation locale. Mais la chocolaterie lorgne aussi sur toute l'Afrique de l'Ouest. Elle a d'ailleurs déjà doublé sa capacité de production, passant de 5 000 à 10 000 tonnes par an. À court terme, nous avons évidemment un gros focus sur la Côte d'Ivoire où nous sommes présents et dans laquelle le cacao représente une part importante de l'économie. Donc nous voulons d'abord produire pour les Ivoiriens qui ont jusqu'à présent fabriqué produits du cacao. Nous voulons leur proposer un chocolat de bonne qualité et à partir de là, exporter de plus en plus sur l'Afrique de l'Ouest et au-delà, sur base de la capacité que j'ai citée, qui nous permet, avec la qualité que nous faisons, avec les certifications que nous avons, d'exporter au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique est connue pour ses ressources naturelles. Pas pour leur transformation. Les responsables ivoiriens espèrent que cette usine marquera le début d'une véritable industrialisation du pays. Il faut plutôt créer les conditions qui font que des investissements directs étrangers arrivent, mais arrivent pour encourager l'industrialisation, la transformation du cacao ivoirien. C'est par la transformation du cacao ivoirien qu'on pourra régler définitivement. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne le devant de sorte que nous puissions organiser les producteurs pour que nous ayons, enfin, le mot, mais que nous ayons les producteurs et le levier en main sur la filière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais moi, je continue à dire que ces leviers-là, on pourra les avoir en main, que si on passera
à 60, 80, 85, 90% de la transformation au plan local de notre production. Bien que ces hommes passent la plupart de leur journée au milieu des cacaoyers, beaucoup n'ont jamais goûté au produit fini le plus réputé de la filière, le chocolat. Généralement, on ne trouve pas de friandises au chocolat dans les zones rurales. Elles sont chères pour le niveau de vie local. Pour certains, le chocolat est un signe extérieur de richesse pour occidentaux. D'autres pensent qu'il a peut-être des propriétés aphrodisiaques. Mais une fois qu'ils y ont goûté, ils comprennent que sa réputation repose sur sa saveur inimitable. C'est doux, hein? C'est doux? C'est doux, hein? Trop doux, madame. Vous voulez? Je vais boire. C'est doux. C'est trop doux. Bacarola, c'est trop doux. Maintenant, nous, on travaille bien. C'est trop doux. Voilà. Donc, je précise tous les jours. Cacao. Doux, c'est trop doux. Georges n'est pas surpris quand il apprend que Thomas et sa famille ne connaissaient pas le goût du chocolat. Il a assisté à ce genre de scène en rendant visite aux membres de sa famille. Pourquoi, comme il dit, moi-même, je suis fille de planteur. Je suis fille de planteur. Mon frère, mon papa, il a même un grand champ de cacao. Quand il va au village, on doit être toujours au champ. Georges souhaite que sa carrière évolue au sein de l'entreprise. Il espère que cette usine ainsi qu'une brasserie récemment construite sont les signes d'une plus grande industrialisation et de plus d'emplois à l'avenir. C'est la réalité quotidienne qu'il observe autour de lui qui forge sa vision. Georges et Thomas boivent un verre ensemble à la fin de la journée. Ils parlent de l'usine. De l'avenir de la Côte d'Ivoire, de la culture du cacao et de leur famille. Georges, dont les enfants sont petits, se demande ce que le grand-fils de Thomas, Romeric, pense de la culture du cacao. Et de son avenir. Oui, je pense que mon père travaille durement dans le champ de cacao et puis le café, mais malheureusement, il s'en sort mieux. Oui. Bon, moi, à mon niveau, je veux devenir un gendarme, quoi. Un gendarme. Oui, police, moi, un gendarme. C'est que si mon papa n'a jamais voulu que je sois planteur comme lui, donc moi aussi je veux pas, aussi que mon planteur, c'est lui-même qui il a le choix de sa vie. Moi, je vais pas lui imposer ce qu'il doit faire. La tradition familiale sera-t-elle transmise à Romeric? Ou peut-être au plus jeune fils de Thomas, Jean-Marc? Le temps nous le dira.
Mais la décision de devenir gendarme ou cultivateur sera certainement influencée par les perspectives dans la filière ivoirienne du cacao. Et la capacité de Georges, Thomas et peut-être de Rumbrick à transformer le cacao en richesse.